Choisissez une tactique, choisissez une stratégie et préparez-vous à ce que rien ne se passe comme prévu. Et oui, c'est ça le football, c'est pas des mathématiques. Le roi des jeux ne se laisse pas amadouer aussi facilement. Le plus beau des sports ne cédera jamais son trône. Alors, que nous réserve-t-il encore aujourd'hui? Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi, qui suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. Un coup d'œil sur la composition du Stade Rennais. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Alors, la composition de Lens. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. Ballon dans les pieds des Rennais. Bourigeaud. Et ça joue sur Kalimundo. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Facundo Medina. Le ballon pour Danzo. Angelo Fulgini. Eli Wahi. Pour Mendy. Bien joué dans le dos de la défense. Et voilà le but. Goal à peine installé. Déjà un but. Allez! Nous revoyons l'action donc avec la technologie de la goal line. C'est un très bon outil qui permet d'aider les arbitres. Évidemment, et ça a permis aussi de garder une certaine sérénité pour les joueurs. L'engagement donné par les Rennais, il faut réagir après ce but encaissé. Amine Gouiri. Wu. La balle pour Enzo le fait. Bourigeaud. Christopher Wu. Kalimundo à la réception. C'est un ballon perdu là par Kalimundo. Grady. Le ballon pour Fulgini. Danzo. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Santa Maria. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Pour Mendy. La balle pour Frankowski. Le ballon pour Angelo Fulgini. Il peut frapper. Ah, super geste défensif, sans commettre de faute. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Terrier reçoit le ballon avec Amine Gouiri. Et ça joue sur Kalimundo. Ah, il peut frapper pour égaliser. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Facundo Medina. C'est pour Medina. Danzo.
Et ça arrive pour Medina. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Lens va mettre en place une attaque. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Kalimuendo. Avec Arnaud Kalimuendo. Kalimuendo. Eh oui, la passe en profondeur. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Eli Wahi. Frankowski. Frankowski. Le ballon pour Frankowski. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Florian Sotoka. Sotoka. Et le tiki-taka s'installe en attendant de trouver la faille. Et non, ça ne marche pas. Ballon rendu à l'adversaire là-dessus. Christopher Wu. Pour y jouer avec le ballon. Oui, la bonne technique là. Kalimuendo avec la balle. Ah, la frappe aux légalisation peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. Machado. Le ballon pour Danso. Facundo Medina. Grady. Le ballon pour Fulgini. Très bien défendu, sans commettre de faute. La mi-temps approche et la différence n'est pas énorme entre les deux équipes. Pour l'équipe locale, c'est toujours faisable. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Les consignes tactiques vont être importantes. Tout est encore possible dans ce match. Un but de retard, ça se rattrape. Frankowski. Et l'équipe récupère le ballon. Pour Mendy. C'est pour Medina. Une minute de temps additionnel. Et ça joue sur Kalimuendo. Et maintenant Santa Maria. Une chance d'égaliser peut-être. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Et tout va bien pour l'instant et son niveau est vraiment conforme à ce qu'on attendait. Sa première mi-temps est très intéressante. Il y a une volonté de développer une connexion avec l'équipe, d'entretenir une conversation avec le ballon.
La deuxième période ici, Lens mène toujours d'un but dans cette rencontre. Une grosse pression sur le porteur. Très bon ballon intercepté. Et oui, voilà! C'est dedans! Et une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe chirurgicale. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Angelo Fulgini. Baptiste Santa Maria. Amine Gouiri. Avec Arnaud Kalimuendo. Et Sirène qui va mettre en place une attaque. Pour Benjamin Bourigeaud. Et peut-être le but pour revenir. Angelo Fulgini pour Mendy. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Kalimuendo. Santa Maria. Avec Amine Gouiri. La bonne lecture pour stopper cette offensive. L'option de la contre-attaque est possible. Le fait. Le ballon vers Bourigeaud. Votre attention, s'il vous plaît. Nous rappelons à tous nos supporters que les billets pour le prochain match Théâtre. Sont déjà à la vente sur notre site internet. Le fait. Il n'y en aura pas pour tout le monde. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Santa Maria. La balle pour Enzo le fait. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Bourigeaud avec le ballon. Il peut frapper, il a Kalimuendo. Très bon timing sur cette interception. La projection dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et pourquoi pas une contre-attaque là. La défense peine à revenir. Ballon pour Terrier. Il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Énorme occasion pour revenir peut-être dans ce match. Oui, joli réflexe. Le changement est demandé et il a lieu. Le corner qui est célébré comme une occasion de but. Le public y croit à la remontada. Il est bien frappé ce corner. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Shadow. Medina. Vers Diouf. Bien fait, très bonne protection de balle. Machado. Duel remporté en défense, belle anticipation. Avec Arthur Théat. C'est pour Guéry. Truffert.
Wu. Théat. Ouais, c'est propre, sans faute. Ah, c'est bien parti. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ah, il faut l'aider maintenant. Eh ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Enzo le fait. Le fait. Baptiste Santamaria avec la balle. Ouais, très bonne intervention là. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ouh, l'occasion de revenir. Goal. Et oui, bien joué pour revenir dans ce match. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Le match reprend et après ce but marqué, Rennes n'est plus qu'un but de son adversaire. Adrien Thomasson avec Deiver Machado. Le ballon pour Angelo Fulgini. Fulgini reçoit le ballon. Et c'est bien lui, sa bonne interception. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Un bon pressing, ballon récupéré. Un bon contre un joué peut-être. Grady. Ah, et ce ballon qui est perdu. Enzo le fait. Avec Amine Gouiri. Oh, l'égalisation peut-être. Ah, elle est contrée cette frappe. Ah, il est important ce corner, peut-être une chance d'égaliser. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Cornea. Et oui, le but! Et c'est jamais fini un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2 buts partout. Le numéro 7, Martin Terrier. Ah, voilà, il protège bien son ballon. Cette attaque peut être décisive, 1 but maintenant et c'est fini. Ah, la frappe, c'est bien tenté et c'est sur le montant, ça joue. Ah, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Le fait. Et c'est terminé, donc l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul.